Bon, ben, bienvenue dans ce nouveau vlog, tout le monde. Je prends une petite marche. Jack, mon chum. Puis, c'est ça, on se promène. On prend notre petite marche, on est dimanche. Parce qu'il y a les fleurs. C'est cool! Ça, c'est la maison des tournesols. Je vais essayer de faire un zoom. Regardez, ça va pas mal bouger, là. Mais c'est plein de tournesols. Mais je pense qu'on voit pas. On marche toujours, toujours. On arrive près de l'église. Parce que je marche tout le temps, juste pour vous orienter dans votre marche, pour que vous sachiez un peu où je suis, où nous sommes rendus dans notre grande aventure. Donc, nous sommes rendus ici, regardez comme c'est beau. J'adore, la nature est très jolie, on entend les petits oiseaux, les voitures, parce qu'on est quand même sur une grande route de village, là. Comme une espèce de rue principale, si tu préfères. Et puis voilà, l'église qui date d'assez longtemps. Et puis voilà, on continue notre marche, nous autres. Hello girls, on est rendu dimanche. Dimanche le 5. Ouais, demain c'est la fête à ma soeur. Le 6. J'ai fait ce maquillage-là aujourd'hui. Mais là, je vais aller me démaquiller parce que je vais faire un petit make-up perruque. Fait que je vais vous montrer. Je ne vais pas tout montrer les looks, mais vous allez voir des looks passés avec des perruques différentes. Fait que voilà. Et puis, ben là, j'ai fait ce look-là aujourd'hui. Je le trouve vraiment beau. J'avais envie de. Je sais pas, d'un petit peu de brillance, un petit peu de paillettes. Un petit teint assez léger. Puis un beau petit maquillage dans les tons rose, rouge un peu. Orangé, un petit mix. J'aime bien ça. Fait que là, je vais me démaquiller, je me suis fait un café, je vais aller filmer ma vidéo, puis je vous montre ça. Bon, ben les filles, j'ai mis la perruque. À l'aide de ça, je l'ai achetée au Dollarama. Elle est quand même belle. Tu sais, pour faire des vidéos, là, je trouve ça super cute, faire des photos, là. Je trouve ça super cute, vraiment mignon. Je vais m'en acheter plein. J'en ai déjà 6, 8 peut-être. Fait que je vais aller faire le maquillage que vous allez voir éventuellement sur la chaîne. Vous allez voir les photos sur Instagram. Fait que je vous laisse là-dessus, puis je m'en vais faire le look. Puis à la fin, je vous montre tout ça. Bon, ben les filles, je vous ai fait le look avec cette perruque-là. Super beau. J'adore le maquillage. J'ai fait un smokey eyes avec. Il y a comme des paillettes. Il est super beau. C'est un fard que. Ça faisait un petit bout que je voulais utiliser. J'ai mis les lèvres quand même assez soft. J'ai fait un beau teint, là. Et j'adore la perruque. Je l'aime tellement, la perruque, là. Vraiment, là. Je trouve qu'elle fait naturel. Tu sais, elle est pas pire. Pour une perruque à 4 piastres, je suis vraiment satisfaite de la perruque. Elle est vraiment très belle. Elle est facile à placer, à peigner. Tu sais, à ranger. Vous allez voir des looks avec cette perruque-là de. Différentes petites peignures. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Le maquillage, il est top. C'est vraiment ce que ça m'a inspiré, la perruque. Quand je l'ai vu, c'est ce fort-là, j'avais goût de tester. Puis j'ai bien fait. C'est trop cute. Bon, ben les filles, nous sommes rendus dimanche. Demain, c'est lundi. C'est une longue fin de semaine. Fait que, ben là, je vais vous closer la journée. J'ai été prendre une marche tantôt avec Jack, mon chum. Ben, je voulais vlogger même. Je viens de penser à ça. Et puis là, j'ai fait une couple de vidéos, make-up perruque. Vous allez voir ça passer éventuellement. Et puis j'ai même fait ma vidéo à ASMR. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai décidé, j'avais rien planifié, j'ai décidé de me faire un make-up en faisant un chuchotement. Et puis ben là, je vais aller écouter mes affaires. Puis je vous reviens demain qui est lundi. Fait qu'on se voit demain. Bye! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes rendus lundi et ben, c'est la fête du travail. Et puis, on est tous en congé, hein, naturellement. Et puis, tantôt, j'ai fait un beau petit make-up avec une perruque. J'ai oublié de vous montrer le maquillage. Mais allez voir les photos sur Internet, ça vaut la peine. Je m'amuse comme de fois, les filles. J'ai vraiment plaisir. Et puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, c'est un lundi pas mal mouilleux. Il mouille. Il fait pas chaud. Ça sent l'automne. Et puis là, je me lève chez Tim Hortons m'acheter un petit café. Bon, ben c'est ça, people. La journée aujourd'hui, c'est de la pluie, comme tu peux constater. On s'en va chez Tim Hortons, s'acheter un petit café. Puis, c'est ça qui est ça. De toute façon, ça va faire du maquillage, puis du tournage, puis du montage. Bon, les filles, je suis dans le parking au magasin. On est à la banque. La banque Half de Montréal, la BMO. Mon chum est parti chercher de l'argent, puis là, on va aller chez Tim Horton. Always fresh. Toujours vrai. Puis après ça, ben, on va aller chez nous. Non, il n'y a rien à faire. Les magasins sont fermés. Tout est fermé. C'est un dimanche. C'est une grosse fin de semaine. Fête du travail, tout ça. Fait que, moi, je vais aller continuer à faire des montages. Je vais continuer à aller faire une autre vidéo. Perruque. Et puis, c'est ça. C'est à peu près ça. J'ai eu aussi une autre idée, la vidéo perruque. Mais comme un autre thème qui pourrait être intéressant aussi, ça serait comme de me faire moi avec mon naturel, le avant et le après. Avec la perruque, le maquillage et tout. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire aussi des photos avant et après, ça va être cool. Juste montrer un peu comment on peut être sous le maquillage, avec des cheveux, tout ça, comment ça peut changer les gens. Ouais, ça m'inspire, ça, beaucoup, beaucoup. On était s'acheter un café à la place chez McDonald's parce que Tim Hortons avait pas mal de monde. Puis mon chum, regarde ce qu'il a pris chez McDo. Des gens de petits beignes fourrés à l'anglaise. Hein. Ça en est bon, hein. Ça va être cochon.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes rendus mardi matin. Il est 9h23 et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? La date, on est le 7 septembre. Et puis, ben c'est ça, là, il est rendu, j'étais comme je t'ai dit, le 9h, 9h30. Je me suis levée à 7h30 à matin. Mon chum, il a pris congé pour la semaine. Puis, à part ça, ben hier, c'est la fête du travail, il faut que ça soit bien relax. Il a mouillé en plus toute la journée, blablabla. Comme tu sais très bien, toi aussi, il a mouillé chez toi. Hein. Et puis, c'est ça, là, je me suis levée un matin, les gars, pour le patio, ben, pour ma véranda, mon balcon, tout ça, sont arrivés, fait qu'ils sont en train de travailler là-dessus, là, ils ont tassé le spa, tout ça, ils l'ont mis sur l'autre terrasse, et là, on entend des bang, 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 boing, 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 bing, bing, bing. Je sais pas si tu les entends. Mais en tout cas. Hein, tu les entends, hein? Ben, là, c'est eux autres qui font ça, ils sont en train de construire tout ça. J'ai tellement hâte, je sais que d'ici, le temps qu'ils s'en aillent, d'habitude, ils s'en vont dans le coin de 4 heures, 3h30, 4 heures. Leur journée est pas mal finie. Mais ils vont avoir fait du chemin, là, tu sais. Probablement que la galerie, elle va être construite, là, tu sais. Ça va être pas pire, ça va être le fun. J'ai hâte de voir ça, je suis excitée. J'ai hâte de prendre mon premier café dedans et l'initier avec vous autres. Ah, je suis toute excitée. Fait que, ben, c'est ça, là. Un matin, mon chum, il y a des rendez-vous. Puis, moi, ben, j'ai décidé de repartir comme je fais tout le temps, là. Je m'en prends ma marche avec, voyons, Jack. Je vais aller dans ma douche, je vais. Aujourd'hui, il annonce comme 23. Fait que quand je vais partir aller prendre ma marche, je devrais faire dans le coin 18-19. Je me suis sorti des shorts, un petit top, c'est encore l'été. Et moi, quand tu marches, tu réchauffes. Fait que, au début, je vais peut-être avoir quelques frissons, mais je vais défrissonner assez rapidement. Parce que je déteste partir avec un coton ouaté. Puis là, parce que tu l'enlèves, ça accroche après toi. Puis blablabla. Puis j'ai plein d'affaires. T'sais, j'ai mon chien, j'ai déjà ma petite sacoche, ma banane attachée autour de ma taille. En tout cas. Fait que je vais pas plus m'éterniser là-dessus parce que j'ai pas grand chose à dire. Puis je suis en train de boire un bon petit café. Je me suis fait mon deuxième café. Et puis, dès qu'il va être fini, je vais aller dans ma douche. Je vais aller me savonner un peu. Je vais aller me faire une légère beauté. Je vais juste me renipper un peu. Puis après ça, ben, je vais attendre. Dans le coin de midi et demi, je vais partir. Fait que, comme je te dis, il va faire en 18-19. Fait que, 18-19, des belles températures, ça. Fait que, ben, c'est ça. Au lieu de dire fait que, je vais te laisser. Puis on se revoit tantôt. Je vais t'emmener avec moi, comme d'habitude. Puis s'il y a de quoi, ben, inquiète-toi pas. Je dégaine et je te filme ça. Salut tout le monde. Nous sommes rentrés mercredi. Et puis, ben, ça va super bien, on s'est levé du bon pied ce matin. Là, on est sur la route, parce qu'il faut que j'en fasse au Dollarama, j'allais m'acheter des perruques. Mon obsession du moment. Et puis, c'est ça, là, je vais aller aussi prendre une petite marche, là. Tu sais, il fait beau, là, c'est encore des belles journées. Là, peut-être pas faire 25 km, là, mais se promener un peu. Puis aller acheter mes petites affaires, une petite perruque, une petite gosse, là, aller trotter un peu des magasins, là, voir si ça se présente à moi de bon. Et puis, c'est pas mal ça. Fait qu'on s'en va là. Fait que je vais vous. Dès que je peux, je pointe. Je dégaine. Bon, ben les filles, j'ai été chez Dollarama. J'ai acheté mes perruques. Puis j'ai acheté, il y avait des bas comme ça, comme les autres, je vous avais montré. Je sais pas, je vous les ai montrés. Je sais même pas. Puis en plus, je viens de me rendre compte que ma batterie clignote, girls. Fait que je vais être obligée de filmer tantôt. Salut les filles, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'en fais mon épicerie. Ça fait comme deux jours que je vous ai pas vlogué. Ou une journée, je me souviens pas trop, 24 heures. Parce que j'étais paresseuse. Je vais être honnête. J'étais paresseuse. Mon Kodak. Ma caméra était dans le char. Puis j'étais trop lâche. Imagine. J'étais lâche d'aller chercher ma caméra dans le PK. Comprends-tu? Tu vois comment je suis lâche? De la merde, ça va dans la rue. Parce que mon truck était parké dans la rue, tu comprends? Il était pas dans mon parking parce que je fais des Renault à ma cour, tu viens? T'as monté souvent, tu devrais savoir, hein? Si tu me suis. Fait que là, ben, je m'en fais l'épicerie, puis là, j'ai embarqué dans le PK, puis là, ben, je t'ai pris. Fait que, allô, on est vendredi en passant. Le 10 septembre. Hier, c'était le 9, je t'ai pas vlogué. Puis demain, c'est le 11. On pourrait se vlogger. Fait qu'on se voit tantôt, là. Bon, mais salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau vendredi, ouais. C'est moi qui étais un peu mêlée. Finalement, j'ai été, comme vous avez pu voir, j'ai été chercher ma caméra. Hein. Je vous emmenais avec moi. Ben, je vous ai pas mon. Je vous emmenais avec moi, mais je vous ai pas filmé les magasins, non. Mais je vous emmenais avec moi parce que j'ai été faire mon épicerie tantôt, puis mon. Ma caméra était dans le pick-up, fait que, dans le coffre à gants. Fait que, ben, c'est ça, là. Hier soir, on a mangé chipette en estime. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé comme ça. Puis des fois, manger chipette, ça fait du bien. T'entends Jack comme d'habitude? Il est fatigué, hein? On l'entend dans toutes mes vidéos. Mais anyway. Et puis, ben, je me souviens même plus ce que je disais. Là. Il m'a comme déconcentré. Là, je te parlais que j'avais été faire l'épicerie, que je t'avais oublié. Hey, je me souviens même plus de ce que je te disais. Je m'en souviens plus pantoute. Tout ça pour te dire, ah oui, manger de chipette. À soir, j'avais pas le goût de faire à manger. Fait que mon chum, il me dit, c'est quoi qu'on mange à soir? Je savais pas trop, j'avais rien dégelé. Tu sais, je savais pas trop qu'est-ce que j'avais envie. Puis quand on était à faire l'épicerie,
Bon, ben, salut à tout le monde. Je vais conclure cette petite vidéo et on va se revoir dans un prochain vlog. Aujourd'hui, samedi, on s'appande. Journée tranquille. J'étais supposée d'aller aux pommes, mais finalement, je vais pas y aller, mais j'ai un petit problème d'intestin, comme d'habitude, hein. Et puis, je préfère rester chez moi. Tu comprends pourquoi, hein? Et puis, à part ça, ben, pas grand-chose de nouveau à dire, juste du vieux. J'ai rien de nouveau à dire, donc je vais conclure ça, puis on va passer une autre belle semaine ensemble, et allons, c'est quand même assez beau. Je vous ai pas montré ça, les filles! Faut que j'aille vous montrer l'avancement de mon perron. Ben, de ma galerie, tu sais qu'on va le bout. Je vais te montrer ça, un petit peu l'évolution. J'ai été un bout de sans vraiment vlogger, parce que j'étais là, je pourrais chercher mon cellulaire. Pas mon cellulaire, mais ma caméra. Mais regarde, on est rendu là. Là, ils ont commencé à faire la galerie, comme tu peux constater. J'ai trop hâte, là, bientôt ils vont construire ma véranda. Mon spa est rendu là-bas, il est plus là. Fait qu'il y a beaucoup de changements, je suis contente. Ça commence à être positif, on pourra s'asseoir dehors avant l'hiver. En espérant que la température soit pour nous autres, pour la construction cette semaine. J'aimerais bien ça là, que ça avance beaucoup les gars là-dessus. Là. Tu sais, qu'ils donnent un bon coup. Là. Ça avance encore un petit peu de pluie, fait que ça ferait chier. Là. Mais c'est pas mal ça! Fait qu'on se revoit, je te montre ma grosse face. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine, comme d'habitude. Je vous laisse en beauté avec ma belle Charlotte et mon beau petit Jackie Doo. Puis ici, on a petit Bénou. Voulez-vous voir Bénou? On va vous montrer petit Bénou. Oh, petit Bénou. Regardez mon petit Bénou. Il se fait bronzer au soleil. Parce que lui, hein, il aime ça le soleil. Il est un chihuahua de Mexico. Oui, il est un chihuahua de Mexico. Bon, ben, je vous laisse. Bye.